La vie est si précieuse, la vie est si précieuse, que tout le monde en a le besoin d'aimer, d'être aimé. La 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 la, la 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 la, tout le monde, on a honte de le dire. On a soif d'amour, d'amour. On pense le remplacer par des objets, des pouvoirs et de l'argent. Mais ça, ce sont des outils pour nous permettre de mieux vivre. Mais la vie, c'est précieux et c'est ça le plus important, de vivre chaque seconde comme si c'était les derniers instants de notre vie. Que importe les secondes passées, c'est la mort qui est déjà arrivée. Mais maintenant, on vit le présent, et le présent, c'est maintenant. Le passé efface le passé, il se charge du passé. Mais maintenant, on vit le présent, il faut le vivre intensément, car si on ne le vit pas, on le regrettera de ne pas l'avoir vécu. Et si on s'empêche de vivre parce que demain on ne sera plus, car demain on ne sait pas si on sera là. La vie se charge de nous donner la vie, et tous nous sommes dans la vie, car la vie nous rassemble tous, nous avons tous les mêmes besoins d'amour, de vie et de support et de réconciliation entre nous. Tous, nous avons des choix de vie que nous faisons et nous devons nous respecter dans nos choix de vie. Car la vie supporte la vie, peu importe qui nous sommes, nos réalités sont si différentes. Il ne faut pas avoir peur des autres, de leur réalité que l'on ne comprend pas. Mais ils ont droit à leur vie eux aussi, car notre vie vaut pas plus que la vie des autres. Et tous, nous sommes unis dans la vie. Et le terme de la vie, c'est la mort. Mais même la mort ne peut pas effacer la matière, la lumière et tout. Car la vie se transforme par des petites morts, une mort terminale. Mais la vie continue toujours dans la matière, la lumière et tout ce qu'on a été continuera toujours. Nous serons toujours là, peu importe, il y aura toujours nos souffrances. Mais si nous nous supportons dans un amour commun, dans une unité, nous pourrons passer à travers toutes nos souffrances ensemble. Et nous dire, nous souffrons ensemble, nous avons fait des choix ensemble, nous respectons nos choix et nous allons souffrir ensemble parce que la vie, c'est se débattre
pour vivre et partout et toujours la vie nous condamnera jamais de nos choix d'être nous-mêmes et de faire nos choix de vie comme on le veut. La vie, c'est l'amour de soi, de se faire plaisir pour commencer et de se donner le droit de naître à la vie et de la vivre à chaque instant. Mais aussi, c'est aussi de partager un petit peu de notre vie, de notre bonheur avec les autres, tout en gardant notre vie pour être heureux et heureux nous-mêmes et de permettre aux autres de réussir sa vie comme on le veut et de laisser la place aux autres pour qu'elle la réussisse aussi, de ne pas jalouser les autres qui sont différents de nous, qui la réussissent différemment. La vie, c'est l'amour, et la vie guérit la vie, et l'amour nous guérit, et nous supportera toujours. La vie, c'est nous dans l'unisson, partout, nous serons toujours là, toujours, peu importe où nous serons transformés, en quoi que ce soit, la vie sera toujours nous, partout. Ils seront toujours là, sous toutes sortes de formes. Nous devons nous supporter et nous aimer. Et nous dire merci entre nous. Et de nous dire, oui, je t'aime mon amour. Ou je t'aime ma soeur, mon frère. Peu importe ta couleur, tes maîtres spirituels et qui tu es. Même si je ne te connais pas, je t'aime parce que moi aussi, je suis différente, mais je suis comme toi, exactement comme toi, avec la même soif d'amour et les mêmes désirs d'aimer et d'être aimé et d'être supporté et d'être estimé par les autres. Car le fait de vivre, j'ai droit à la vie et j'ai la valeur d'exister. Et cette valeur-là est une unité que tous on a. On a toujours la valeur d'exister. Et cela, on doit le respecter pour tous. Et la vie nous condamnera jamais, même si les maîtres spirituels nous condamnent. Car la vie vaut plus que tout et nous donnera toujours la vie sous toute forme.